Salut à tous et bienvenue sur Geese Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Subnautica. Alors ça va faire bizarre à certains, j'ai essayé de faire un peu de The Forest mais j'ai eu trop les miquettes, alors j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, t'as pas fait la fin de Subnautica, la release est là, c'est comme The Forest, aïe. Donc autant profiter qui est la release pour vous le représenter. Donc une partie, vous savez que je suis un fan de recommencer les jeux. Donc une partie en survie classique sur Subnautica pour voir la fin. Donc on va essayer de se faire une saison rapide. Promis, cette fois-ci je scanne pas tout ce qui passe, pardon. Et je fais une partie rapide. Je suis bien les capsules. Je fais le truc bien comme il faut. Et on aura une petite saison assez sympathique, je pense. On va arriver jusqu'à la fin, on va faire la fusée, on va tout faire bien comme il faut. J'adore cette musique. Et vu que c'est un jeu qui m'avait énormément plu dans sa version Early Access, on va se faire une nouvelle petite saison. On va alterner toujours les jeux actuels plus ça. Voilà. Donc le PDA a démarré en mode urgence. Parfait, merci. On va essayer de survivre. Le fabricateur, voilà, il est là. Putain, c'est la loose. Tout est la loose, tout est pété. Ça, c'est endommagé. Donc, on va aller faire un petit tour dehors. Ah, les petits poissons. L'arrêt lapin. Yes. Monter à bord de la capsule, non. Super. Donc, bienvenue sur Subnautica. Pour ceux qui ne connaissent pas. Jeu de survie, exploration sous-marine. Hop là. On récupère ce qu'il faut. Alors attendez, l'oxygène, j'en ai pas beaucoup au début donc il faut faire gaffe. Ouais, donc. Tac. Pour ceux qui connaissent pas, donc l'Aurora c'était mon vaisseau, il s'est légèrement crashé, il y a eu une petite défaillance orbitale, en soi on sait pas encore pourquoi, mais bon, il s'est fait un peu tirer dessus, hein. Je spoil, désolé. Ils sont plus faciles à attraper ou quoi les poissons? Hop là. Hop, on récupère quelques poissons, ça c'est pour manger, ça c'est pour boire. Les pochons, c'est pour boire. Voilà, on a fait un peu le plein, là. On va récupérer. Ça, c'est du titane. Ça va être... Un peu de chance. Du cuivre, non. Raté. Je fais le plein déjà dès le départ du sel pour faire de ça. Hop, on récupère du cuivre. On va avoir besoin de tout ça. Du sel. Ça, c'est les premiers... Ouais. Le Siglide, il est déjà là. Je suis où là? Ouais, parfait. Non, je suis bien placé. Le départ se fait bien. J'ai toujours pas mon couteau, mais bon, c'est pas grave. On va aller faire tout ça. J'ai les premiers éléments nécessaires. Merde. J'ai raté ma capsule. J'ai les éléments, mais j'ai pas mon cerveau. Je l'ai laissé quelque part. Donc ça fait plaisir quand même de revenir sur ce Subnautica. Je me suis dit là, j'ai joué un peu à The Forest. Je me suis dit t'enregistres pas. J'ai essayé d'augmenter la luminosité dans les caves. J'ai pas réussi. Donc je me suis dit bon allez, va jouer à un jeu qui te fait pas peur. Alors on va faire personnel. On va faire le petit réservoir d'oxygène déjà. Ça peut être, c'est toujours utile. On va faire de l'eau. Avec les pochons, on fait de l'eau. On va griller quelques poissons. Parfait. Et maintenant, je peux faire du titane avec ce qui reste de débris que j'ai ramassé. Non, le lingot de titane, c'est un peu tôt dans l'aventure. Le fil de cuivre. Alors, qu'est-ce qu'il va me falloir? Les palmes, du silicone. Kit de soins, c'est du silicone. Et un pochon. Ah ouais. Ah là, c'est la poche d'air. Alors, le scanner, il faut une pile. On va commencer par faire les piles. Hein.
Donc ça... Ah, maintenant, le truc, c'est quand on fait des... Quand on craft, ça débloque des nouveaux crafts. C'est vraiment le système est là. Tac. Là, le réservoir haute capacité du verre et de l'argent. Soufre de cave, du verre, caoutchouc de silicone. Caoutchouc de silicone. Ouais. Alors, le caoutchouc de silicone, il faut que je le récupère de suite. Ça va être... Ah ouais, mais il y a de... Bon, ça, on boit. On en voit. Ça, on mange. Ça, on mange. On en voit. Tac, on va essayer de trouver des trucs. Ah oui, c'est vrai que c'est un jeu où il faut sauvegarder. Ah, j'avais oublié ça. J'ai perdu des parties comme ça. Assez fréquemment. Alors, le caoutchouc de silicone, ça se fait en allant récupérer les trucs là-bas. Dans les vignes d'Orin. Hop là, raté. Oh, le petit pochon. Parfait. Un rôdeur. Aïe. Ça y est, ça commence bien. Je vais me faire bouffer par un rôdeur. Alors, c'est orange, c'est lumineux, c'est là-bas. Ah, lui, il est contaminé. Du titane, je vais en avoir besoin de plein. Je le sais. Du cuivre aussi, je le sais, je vais en avoir besoin de beaucoup. Et pour l'instant, on va faire ça. Ça aussi, je vais en avoir besoin pour du lubrifiant aussi à un moment. Voilà. Oula. On va remonter, hein. Là, il y a des trucs à scanner aussi. Ah, il faut que je fasse le scanner assez rapidement pour pouvoir faire le Seaglide. C'est quoi ça? Ça, c'est un fragment de Seaglide, hein. C'est pas une capsule temporelle. Parce que je sais qu'ils ont rajouté des capsules temporelles. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Je crois qu'on peut looter des choses dedans. Bon bah là il faudra revenir pour le Seaglide. C'est pas une capsule ça? Non. Ça va le faire. Alors tac ça. On va faire le Seaglide. Ah, il faut que je fasse du soufre de cave aussi. Du quartz, ça c'est utile, je vais en avoir besoin de beaucoup. On va essayer de se faire un peu de soufre de cave avant de repartir. Donc pour ça il faut aller dans les caves et aller se faire exploser la tête sur les petits poissons. C'est un peu dangereux. Là, c'est sur ces trucs là. Ah, ça fait mal. Ça, la première fois, j'ai galéré pour le trouver. Je savais pas où c'était, le soufre de cave. Les autres créatures, c'est pas encore le moment de les ramasser. J'en ai pas encore besoin. On est pas mal, là. On va aller ici. Dans les outils, il faut faire le réparateur. Donc il me faut du caoutchouc, il me faut du caoutchouc. On va faire du caoutchouc. On va faire du lubrifiant, mais ça c'est vraiment pour couler les... Parce que j'en ai ramassé plein quand même. J'ai un peu abusé. Alors j'en ai combien? J'en ai deux comme ça, donc on va pouvoir faire... Alors on va faire des pochons. Et du piper. Il va falloir aussi que je me soigne à un moment ou à un autre. Les palmes. Ici, on va faire des palmes, ça c'est bien, ça va nous permettre d'avancer un peu plus vite. Ça on le fait aussi, le soufre de cave c'est ici. Il me faut un titane, est-ce que j'ai ramassé? Ouais. Donc je vais faire le couteau aussi. Ça y est, je commence à être un peu équipé. Voilà, on va réparer la capsule. Il
Yes. Ah, j'ai des données géologiques. Voilà, la capsule commence à... Voilà, là j'ai les détresses, signaux de détresse. Ça c'est tous mes blueprints, c'est pas mal. Ah, ça c'est dommage par contre. Voilà, bon, je... Bon, ça c'est les premiers messages qui servent un peu à rien. Ah, je peux faire du vert, c'est pas mal ça. On va refaire des lubrifiants, vider le sac. Hors tension. Ah, je crois... Est-ce que j'aurais pas utilisé toute l'énergie de la... Ah si, j'ai utilisé toute la puissance. Le mec qui a abusé. Est-ce que je peux faire un autre outil type la lampe? Pour ça, il me faut faire une pile. Et pour la pile, il me faut du champignon acide. J'en ai mis dans le stockage. Normalement. Parfait. J'ai même une pile déjà d'avance. On va faire la lampe parce que ça, c'est utile. La nuit va tomber, donc... Et le scanner. Hors tension. Donc ça y est, je commence à être un peu équipé. Tab... On va mettre le couteau en premier, la réparation en dernier. On va manger et boire. On va poser ça, ça. Ah, c'est encore hors tension. Bon, mais je vais aller me balader. Est-ce que je vais me soigner directement ou est-ce que j'attends que ça remonte? On va l'utiliser. Hein. Ah ben voilà, la nuit. J'ai bien fait de faire la lampe. Alors, ça c'est quoi? C'est des plaques de corail, on s'en fiche un peu. Alors ça c'est pratique. Pour faire de la javel avec le sel. Voilà. Oh, ça permet d'avoir de l'eau un peu mieux que la précédente. Voilà, on va récupérer tout ce qu'on trouve. C'est l'avantage de savoir où on va quand même. Parce que quand je découvrais, je ramassais un peu tout à l'arrache. Je savais pas exactement ce qu'il me fallait, ni les quantités, ni tout ça. Là, je sais à peu près où je vais, donc... c'est quand même plus simple. Alors, il va nous falloir du verre et de l'argent. Pour faire les bouteilles suivantes. Mais déjà, on va aller récupérer le Sea Glide là-bas. Avant le Sea Glide, on va les récupérer... Couper de la vigne dorée avec le couteau. Voilà, j'en prends 4, ça devrait le faire. Ah, mais j'ai pas fait le scanner au final. Le gros boulet, je suis parti avant d'avoir fait le scanner. Alors, voyons voir s'il y a des choses intéressantes. Il va me falloir du quartz. Là-bas, il y en a. Ouais, dans le tube de corail géant, il y en a toujours. Ça, c'est génial. Ce tube est génial. Inventaire plein, ah zut. C'est pas grave, c'est là-haut. En plus, le tube de corail est vraiment à portée de la maison. De la maille de fibre, ça y est. Alors, avec la maille de fibre, qu'est-ce que je peux faire? Ah ouais, je peux faire des kits de soins. Alors, elle était importante pour autre chose, la maille de fibre, mais je sais plus quoi. Je crois que c'était pour une combinaison. Donc, il me faut du verre et de l'argent. Bon, ça, c'est ok. Non, bah, en fait, je peux rien faire d'intéressant. Caoutchouc de silicone. Je vais refaire du lubrifiant. Ça libère de la place. Et j'en aurai besoin pour la suite du jeu, donc... Il m'en reste. J'en avais cueilli combien de vignes? On va faire du caoutchouc. C'est pas grave. Euh,
Alors, ouais, bah, je suis bien plein. Maille de fibre, je vais en faire d'autres. Si c'est pas hors tension, si c'est toujours hors tension. J'ai le scanner, ça y est. Je vais pouvoir m'auto-scanner. Self-scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. Alors normalement je ne tombe malade que si je ramasse des œufs. Donc je sais pas si... Ok, la maille de fibre c'est bon. J'en ai deux. Et on va faire le dernier. Non, on va pas le faire. On va aller chercher le Seaglide tant qu'on y est. Hop là. On est où? On est où? C'est par ici. J'adore ces bestioles. Je trouve très rigolote. Ça explose dans tous les sens, c'est marrant. Alors, le Seaglide. Ça, c'est la balise. Ouais, c'était la balise, c'était pas le Seaglide. J'ai dit une connerie, moi en plus. Très important, quand même, le balise. Hein. Alors, je sais pas si. Je me rappelle pas. Je crois qu'à une époque, il fallait des piles. Gravisphère, c'est bien utile aussi dans le genre. Ça va me donner du titane, toujours bon à prendre. Donc voilà, première série de scans effectuée. Peut-être qu'il y en a d'autres à faire par là. On va aller juste vérifier dans les caisses. Voilà, typiquement dans les caisses. Ça c'est quoi? Le découpeur laser, ça c'est toujours bon à prendre aussi. Il va me falloir quand même... Normalement il me faut un diamant pour le faire fonctionner, mais bon. Alors les coraux, ça, le cerveau corail, ça donne de l'oxygène. J'en profite pour le scanner du coup. Et ben voilà, je me suis pas fait attaquer par la. Je crois que je l'ai tué. C'est rare que j'arrive à les tuer comme ça. Alors, hop, on va se faire ça. Ça, c'est du grès. Donc ça donne de l'or et de l'argent. Et du plomb, je crois aussi. Voilà, bon, du coup, il faut que je vois ce dont j'ai besoin pour le Seaglide. On va remonter à la surface, hein. On va pas se le tenter en apnée. Parce que quand je vois le PDA, je suis pas safe. Hein. Ah là, il y a un morceau de gravisphère, super. Je vais pouvoir finir la gravisphère. Alors, on a dit, le Seaglide, il est où? Pile, fil de cuivre, lubrifiant titane, parfait. Je vais voir ce qu'il faut. Je récupère un comme ça. On sait jamais, ça peut servir. On va aller se faire le Seaglide. Bon, le Seaglide en moins d'une demi-heure, c'est toujours bien. Hein. Normalement, je devrais avoir les premiers messages. Le premier message des capsules radio qui devrait tomber. On va essayer de bien les suivre cette fois-ci. Dès qu'il y en a un qui tombe, on y va. Pour bien coller à l'histoire. Ah merde, je vais faire de l'eau avec. Raté. Couillon. On a dit qu'il nous faut... Ah, la javel, ouais, des pots de sel. Avec les... Alors, on a dit qu'il nous fallait un fil de cuivre. Et une pile. Est-ce que j'ai encore du cuivre quelque part? Ouais. Par contre, les champignons acides, j'en ai plus, je pense. Voilà. Tac, tac. Il va me manquer un champignon. Deux champignons acides. Bon, ça, c'est pas très compliqué, en règle générale. Il y en a pas loin. Voilà.
Un petit kit de soins, faut pas oublier de les prendre quand ils passent. Hein. Les balises titane et cuivre, ah ça c'est cool, il n'y a pas eu besoin de piles. Il me semblait qu'avant il y avait besoin de piles pour ces trucs. N'hésitez pas à me confirmer ou m'infirmer, mais... Le Seaglide... Ça c'est cool. Ah, j'ai pris que deux champignons, ah, j'aurais pu en prendre plus. Ouais, 5 km, ça va quand même. Ah, message radio. J'en parlais tout à l'heure. Je voulais faire une gravisphère, donc pour ça il me faut une pile d'abord. Comme ça je vais me faire une gravisphère que je vais poser juste là. Ah merde, j'ai plus de cuivre. C'est pas grave. Radio. This is LifePod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, don't panic. OK. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Alors, donc maintenant, normalement, ils m'ont donné l'emplacement du signal chargé dans mon PDA. Donc, le LifePod 3, il est là-bas. On va aller le voir. On va se faire... Attendez, on va réorganiser un peu. Ça, c'est 1. Et le couteau, c'est 2. Ça, c'est 3 et 4. On est pas mal. On va pouvoir partir avec le Seaglide. Ça va nous donner quand même plus de liberté de mouvement. On va quand même chercher les cuivres et les quartz. Hein. Le titane pour l'instant, j'en ai. Il va me falloir surtout... Oh putain, j'en trouve pas. Alors, sur la piste du LifePod 3, je vais trouver des trucs quand même. Ah ouais. Non mais ça, normalement... Du corail plat. Ça sert à faire les circuits imprimés. Je devrais pas tarder à en avoir besoin. Ouh. J'ai enlevé la carte du... Voilà. Là, il y en a masse. Du quartz, il va m'en falloir aussi. Un paquet. Ouh, 15. Il faut remonter là au bout d'un moment. Voilà, parce que comme ça je pourrai me faire avec le verre. Il me faut de l'argent aussi, on a dit. Voilà, on va aller voir la suite de quête. Oh, bah, j'ai tout rempli par contre. Ça, je peux pas le prendre. Voilà, on va jeter la plaque métallique. C'est pas très grave, ça. Ouais, voyez, il y en a des plaques métalliques. On va aller aussi Glide 3. On est encore assez loin. C'est du cuivre, pareil. Voilà, il faut que j'attaque maintenant le grès. C'est ça. Voilà, pour du câblage. Hein. Parfait. Alors le LifePod 3, on va essayer de pas oublier les PDA, je crois qu'ils ont changé leur tête. Donc ça c'est scanné déjà, puisque je suis venu avec. Si c'est lumineux, c'est que c'est un PDA, c'est ça. Journal de l'équipage, ça c'est bon, j'ai. Et ça c'est le plan de la boussole. Alors est-ce qu'il y a un PDA qui traîne par là? Parce qu'il y en a certains qui vont dire que je suis fan de les oublier. Bon, mais le LifePod 3, on va le cocher. On va aller voir un peu dans les profondeurs. Par là, si on trouve pas un peu de vite fait d'argent. Du plomb, ça c'est bien. Ouais, en gros, ils sont en train de me dire que ça va exploser. C'est la version polie.
Oh, j'aime bien ici aussi. Du grès, ici. Alors, le plomb va servir pour les combinaisons, la combinaison de protection aux radiations. Parce qu'une fois qu'il va, ça va exploser, normalement, il y aura des radiations, on pourra plus se balader librement. Mais ça va aussi servir, chose qu'il ne faisait pas avant, pour la construction. Ça rentre en ligne de compte. Ça, c'est du calcaire. Ça rentre dans la composition des fondations. Donc, de suite, il en faut beaucoup. Surtout si on veut faire des grosses bases. Moi, j'aime bien les grosses bases, j'avoue. Ah, inventaire plein. Bon, mais c'est bon. On peut rentrer. Non, franchement, les déplacements sont quand même facilités avec, avec le Siglide. Ah, ça fait du bien de retrouver Subnautica. C'est quand même un jeu qui est pas facile, mais qui est quand même... qui détend, contrairement à The Forest, toujours. Hop. Là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? La prochaine étape, ça va être... Bon, la prochaine capsule, donc. Pour ça, il va falloir descendre plus profondément, je pense. Donc, il va me falloir un peu plus d'oxygène dans les réserves. Et c'est ce qu'on va faire de suite. Normalement, j'ai ce qu'il faut... pour faire le... Ah, il y a encore un message. Je vais juste vérifier un truc. Dans mes signaux. Donc ça, c'est fait. Données téléchargées. Survivant de l'Aurora. Capsule 3. Ça nous explique tout sur le Siglide. Alors, ensuite. Découpeur laser, ça c'est bon. Piège à gravité, c'est bon. On va faire ici... Il me faut deux verres. On va faire du verre. Là, l'avantage, c'est que du coup, ça va me baisser la place dans l'inventaire. Et alors, les... Ah mince. Tac. Qu'est-ce qu'on va faire? On va poser le sigle. On va poser des trucs. On va poser le corail. Déjà. Avec la javel, on peut faire de l'eau. Une pour deux. Éventuellement la mort. Oui, si ça peut nous éviter la mort, c'est bien. Hein. On va enlever ça, voyez, et on va se le mettre pour faire les hautes capacités. Ça, c'est cool. Voilà. Voilà, là, ça augmente bien. Ensuite, la boussole, ça j'ai pas spécialement envie de le faire. Quoique ça pourrait être intéressant de la faire. Fil de cuivre et kit de câblage, on va voir ce qu'il nous faut. Kit de câblage c'est 2 argents, donc j'en ai pas eu beaucoup. Et fil de cuivre c'est 2 cuivres, donc j'en ai pas eu beaucoup non plus. Donc on va pas forcément faire ça, c'est pas très utile. Par contre, en déployable, je voulais faire ça. Pour la poser pas loin, la baie véhicule mobile je l'ai pas encore. Circuit intégré, découpeur laser, j'ai pas encore. Ça j'ai. L'outil de repérage, je le prendrai, mais plus tard. Là, pour l'instant, j'en ai pas spécialement besoin, donc ça va. Qu'est-ce qu'on pourrait stocker? Bon, rien d'intéressant. On va peut-être manger une barre, là. Voilà, ça met bien. Stocker le ça. Et on va les poser. Sauvegarder, tiens. On va aller poser la gravisphère. Voilà, à l'entrée. Comme ça me récupère du poisson pour manger. Ça, c'est pas mal. Ça met bien. Là, j'ai encore du quartz à domicile. Est-ce que je vais avoir du cuivre? Pas forcément. Hop là. Ça va, avec le Siglide, j'arrive à les éviter. Je vais faire une armoire flottante si ça continue pour stocker tout ça. C'est pas mon truc préféré, les armoires flottantes, mais bon.
Franchement, avec le réservoir haute capacité, on a quand même un peu plus d'autonomie. Hein. Oh, piou-tiou. Ça a bien explosé derrière moi, en tout cas. Ah, il y a quelque chose là. Ça, c'est le Seaglide, donc c'est pas la peine de le rescanner en boucle. Là, il n'y a rien. Je suis à peu près toujours à la même épave, je pense. Hein. Après, c'est les épaves de départ, hein, donc il y a toujours à peu près les mêmes choses. Ça dépend un peu des endroits, mais... C'est ça, j'ai oublié de lire le message radio qu'il y avait. J'étais parti chercher des trucs. Ah oui, c'est ça que je veux aussi. Tac. Vachement plus facile de les attraper. Hein. Voilà. Voilà, j'ai réussi à allumer sans mettre la carte. Bon, la lampe de poche éclaire vachement mieux. Oui, on va faire ça. On va essayer d'éviter de s'asphyxier, justement. Je fais le plein. Hmm, 53, ça va, j'ai encore le temps. Je cherche de l'argent. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il veut me donner. Vu que j'ai pas scanné et vu que je scanne pas, il me demande tout le temps de scanner. Hop, allez, on va les rentrer. Wow. Il y a des rôdeurs par là. Si on leur fiche la paix, dans la règle générale, ils peuvent nous ficher la paix. Vous voyez, la gravissaire, elle a attiré tous les poissons. Ça, c'est trop pratique. Une garde-manger vivant, quoi. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ah, un recycleur. Ça, c'est pour plonger plus profondément. Donc ça, il me faut un kit de câblage. Donc ça, c'est important à faire, au final. Ça permet de plonger à des profondeurs plus importantes. Voilà. Ah merde, inventaire plein. On va peut-être lâcher le poisson ou... boire un coup d'eau. Voilà, le recycleur, il s'est mis ici. Et ça permet de plonger à plus de 200 mètres, je crois que c'est ça exactement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? Peut-être des armoires, ouais. Au moins une. Voilà, on va aller la poser dehors. Ça permet de poser des... on va la poser par là. Ça va nous permettre de mettre... Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, on va mettre tout notre titane. Et aussi... Bon, notre titane, c'est bien. Le titane qui est là... Et maintenant, on va écouter ce message-là. Non. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Oh putain. Alors, est-ce qu'on va aller chercher? Alors, on va se faire un petit pochon, vite fait. On va aller chercher quand même. On va récupérer un peu de titane. Et on va virer ça. Ça, on va le boire. Et on va descendre ici. Alors, c'est à 400 mètres. Où est-ce qu'elle est l'armoire par contre? L'armoire flottante, j'aimerais bien la retrouver. Ouais, c'est éloigné, non? Là, c'est pas mal. Il y a de la place quand même dans ces armoires.
Allez, signal, capsule de survie. On va voir si on trouve dans cette direction. Et bah, après, je couperai la vidéo, puisque donc on commence à naître à une bonne demi-heure de vidéo déjà. On se laisse vite prendre au jeu. Ah putain, ça va bien couper. Ouais, ça y est, j'ai réussi à couper. 100 mètres. Bon, ça va, au niveau de la profondeur, c'est pas mal. Mais ils sont au niveau des cavernes. Alors là, c'est un endroit sympa. Il y a des jolis requins et tout. On va faire le plein d'oxygène avant d'y aller. C'est en règle générale, il y a des choses à scanner. De la technologie à acquérir, on va dire. Ouais, vous voyez, là, c'est la baie à Simote. Donc le problème, c'est que si je récupère le Simote, il va me falloir la baie à véhicule d'abord. Voilà, le Simote déverrouillé. 1 sur 3 déverrouillé. Donc maintenant, je sais que c'est pas loin. Le reste est par là. Alors, ces cavernes, elles sont géniales. Un biome inconnu. J'adore cet endroit. En tout cas, la capsule 17, donc on sait qu'elle est à l'entrée des grottes. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il va bien y avoir un PDA dedans. On va essayer de le trouver. Le voilà. Scared and I'm not going outside. There are shadows in the water under the hatch, but I can't tell if they're rocks or aliens. And there's weird looking caves nearby. Ouais, ils ont peur des caves. Hein. Was carrying everything needed to build the phase gate. Mobile vehicle bays, bioreactors, propulsion cannons. It had a cinema. There was a zero-g gym. My cafe. I don't understand how we're here now. I don't know why no one's coming for me. Bon, j'ai pas tout compris. Mais en gros, il avait un peu les miquettes. Hein, si je. T'es pas fan de sa situation. Découpeur laser. Normalement, c'est le dernier. Je vais avoir le schéma, mais pas de quoi le faire. Ah, ça c'est quoi? Salle du scanner. Ah, ça c'est cool. Si je commence à avoir des morceaux de la salle du scanner. On va remonter en vitesse là par contre. 1 sur 3, c'est pas mal. Hein. Si je me trouve la salle du scanner, ça va me permettre de construire et de pouvoir scanner autour de moi ce qui se passe. Et ça, c'est une grande avancée. Bon, ben moi, je vais rentrer. Je vais essayer de trouver d'autres éléments à scanner sur le chemin. Et je vais rentrer à ma capsule de survie. Et en tout cas, je vais vous dire merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Fragment de la BA véhicule mobile, ça, c'est cool. Des commentaires sur le jeu, sur la vidéo. Et... Aïe, moi je vous dis à très vite en vidéo. Ciao, ciao.